On est arrivé sur le campement. Donc c'est... Bon, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vent. Il neige pas. Là, ce que vous voyez dans l'écran, c'est tout ce qu'il y a dans les arbres qui tombent. Bon, il y a du vent, mais il y a beaucoup de sapins autour. Donc on va céder des sapins pour nous protéger du vent. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de neige. Il y a pratiquement 30 cm de neige. On va devoir ratisser tout ça pour avoir une surface bien plate. Et surtout, qu'on n'ait pas d'humidité sur notre campement. Donc on va tout ratisser, poser une bâche pour nous protéger du froid pendant la nuit. Et ensuite mettre notre tente. Donc là, on a pris beaucoup d'affaires, nos sacs sont super chargés. On va faire le système de double tente. Ça sert à quoi? C'est pour les treks, les campements en grand froid. Comme maintenant, là on est en plein hiver, il fait froid, il y a du vent, il y a de la neige, il y a de la glace, il y a de la pluie. Quand vous avez juste une simple tente, elle va être ballottée dans tous les sens. Vous n'allez pas forcément être très au chaud. La condensation va se faire très fortement dedans. Et du coup, vous allez être trempé dedans. C'est pas du tout agréable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parer le froid par une seconde tente dessus. Donc on va créer une couche de chaleur autour de la tente. Donc d'abord, on ratisse tout. On pose la bâche, on pose nos sacs. Comme ça, on est tranquille. On pose la grande tente et ensuite on fait tout à l'intérieur de la grande tente. Allez, c'est parti. Et là, c'est parti. On y va à la main. Donc là, on voit qu'il y a des troncs par-ci par-là. C'est une souche. Donc là, on repère les souches pour pas être dessus. Et on y va. Ça va très vite. Si on s'y met rapidement à deux, ça va aller très très vite. Bon, voilà, on a un beau carré là. Maintenant, on va poser la bâche pour protéger notre tente de l'humidité, de la neige. Donc d'abord la bâche. Donc là, j'ai une bâche 280 grammes au mètre carré. C'est ça qui va nous protéger, surtout, de l'humidité et du froid. Voilà. Pas besoin qu'elle soit très grande, à partir du moment qu'elle suffit pour vos deux corps, si vous êtes deux. Et maintenant, on va mettre la grande tente, la très grande tente, qui fait sas de chaleur. Donc là, on a une Harpenaz Familial 4. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes dans des conditions glaciales pour votre survie. Là, en vérité, il fait quoi? Il fait 0 degré. On n'en aurait pas eu vraiment besoin. Mais c'est toujours un plus. C'est ça? Super. Parfait. Voilà. Ok. Donc là, on a mis en place la tente. C'est une vraiment très grande tente. Regarde, de l'extérieur. Vraiment... Elle est fat. On l'a mis sur sardine. Donc les sardines sont dans le sol, elles sont pas dans la neige. C'est important de creuser et de mettre la sardine dans le sol. Vous voyez là, on se prend un petit peu de neige glacée, des sapins. C'est rien de grave. Et du coup, dans cette tente là, vous avez vu, on a mis la bâche pour couvrir, pour nous isoler du sol, même s'il y a déjà une bâche pour la tente. Vous voyez, c'est une bâche, plus une deuxième bâche, plus une troisième avec la bâche de la deuxième tente. On va mettre tout simplement notre Harpenaz 3 dans cette tente là, pour être vraiment isolé, pour avoir un sas de chaleur autour de la tente. Donc cette tente là va nous protéger du vent. Et la tente qui va à l'intérieur va nous conserver la chaleur dedans. Donc là, on a monté la deuxième tente, la Prussian Black Harpenaz 3, qui va rentrer dans la 4. Alors elle est un peu grande, donc ça va être assez périlleux, mais c'est faisable. Regardez, dans la tente, il y a la tente. Donc vous voyez cet espace là qu'il y a entre les deux tentes, ça c'est ce qu'on appelle le sas de chaleur. Donc c'est vraiment ça qui va nous conserver du froid. En fait, nous, la chaleur qu'on va produire à l'intérieur de la tente va rester un peu dans la tente. On va s'échapper un petit peu. Mais c'est la deuxième tente qui va conserver la chaleur autour au maximum. Et le froid qui vient de l'extérieur, le vent, va frapper dessus
ça va refroidir les parois, mais le froid qui va sortir des parois ne va pas toucher notre tente parce qu'elle va rester dans le sas de chaleur. Et ça, c'est parfait pour être au chaud. Je vous avoue que ça n'a pas été non plus super simple. Hein. Il nous a fallu une bonne trentaine de minutes pour la mettre, pour mettre les tentes. Mais au final, on y arrive. Donc c'est top. Et on va être au chaud. Allez, maintenant, on va mettre les tapis de sol, le plaid par-dessus. On s'allonge dessus avec nos sacs de couchage dedans. Et on rajoute un plaid. Et là, on sera comme au palace. Bon, les amis, donc vous voyez, on a mis donc une bâche au sol. Ensuite, on a mis la grande tente 4 places. Ensuite, on a mis la tente 3 places qui est entrée dans le sas avec le sas de chaleur autour. On a mis nos tapis de sol gonflés contre le sol. Ensuite, on a mis un plaid par-dessus. Donc là, vous voyez, il y a un plaid là, par-dessus, pour maintenir bien le dos au chaud. On va se mettre dans les sacs de couchage. On sera bien au chaud. Et en plus, on a un plaid par-dessus, au-dessus de nous. Donc là, même s'il fait moins 15 degrés dehors, moins 20 degrés, on arrive à bien dormir. Après, il faut avoir de bons sacs de couchage, mais on arrive à bien dormir. On est protégé. On entend beaucoup la neige de l'arbre qui est juste à côté, là, qui tombe sur la tente. Ça va peut-être nous réveiller un petit peu cette nuit, mais c'est tout ce qu'on a à craindre. Donc c'est parti, nous, on va manger. On va se faire un petit plaisir, là. Ce que vous entendez, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va avoir ça toute la soirée. Donc on a une petite souche ici où on peut poser les affaires. On a un réchaud, on a le Mont Blanc à la vanille, on a des tourtelles, les petites pâtes à la bolognaise qu'on va faire chauffer là-dedans. On va simplement faire chauffer l'eau dans le car, sur le réchaud, et ensuite on va les verser là-dedans et ce sera prêt à l'emploi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le réchaud et on va le mettre assez centré. On va le mettre là à peu près, on va le mettre de façon à ce que ce soit quand même bien au centre, voilà. Et comme ça, il va réchauffer le sas. Et puis, il y a une bonne distance, là. Il y a facilement 1m20, donc même plus, 1m40, je dirais. On est loin d'une surface inflammable. Alors, on a prévu une cartouche en plus, parce que celle-là, on s'est dit qu'elle ne tiendrait pas la nuit. Après, il faut savoir qu'on a une porte. On a la porte extérieure. On a une porte, deux portes, trois portes, hein. Bon, celle-là, c'est plus un truc pour les moustiques, mais on a trois portes qui peuvent couper un peu le... C'est un système qui marche bien. C'est un peu long à faire, c'est un peu long à poser. Surtout, c'est lourd. Cette tente-là, elle pèse dans les 5 kg à peu près. Celle-là, elle pèse dans les peut-être 3 kg. Faut vous dire que si vous voulez faire un trek long avec du monde, il va falloir qu'on sacrifie un sac. Il y aura un sac où il y aura certainement les deux tentes, et c'est tout. Le reste du personnel va avoir tout ce qui est alimentation, les batteries, les trucs de repérage, tout ça, pharmacie et tout ça. Donc vraiment, si vous faites ce système-là, qui marche très bien, vous allez sacrifier forcément un grand sac. C'est parti, on va manger tranquillement avec le bruit de la glace qui tombe. Bon les amis, c'est rien, vous inquiétez pas. Donc c'est bon, on est bien au chaud. D'ailleurs, il fait tellement chaud qu'il y a de la buée sur l'objectif. On est bien au chaud dans la tente. Et sac de couchage et la petite chapka sur la tête. En plus, ça couvre un peu les oreilles, ça permet de mieux s'endormir. Et là, on est parti pour une nuit de merde. J'allais dire nickel, mais en fait, vous entendez le bruit qu'il y a dehors. Ça n'arrête pas de tomber, donc... ça risque de me réveiller pas mal de fois, ça va nous réveiller toute la nuit je pense. Mais au moins on est au chaud, on est bien. Voilà, donc nous on se retrouve demain et on va voir les dégâts de la neige, de la glace. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Il est quelle heure? Il est 21h30. Donc on va peut-être pas s'endormir tout de suite, mais on va se raconter des histoires qui font peur. Voilà. Allez, à demain. Bon les amis, il est 7h53 du matin et la tempête de vent n'a pas cessé toute la nuit. Donc autant vous dire que ça a tapé toute la nuit sur la tente. Donc on n'a vraiment pas dormi, quasiment pas. Il a plu aussi beaucoup la nuit. Donc programme du jour, on va prendre le petit déjeuner tranquillement. On va vite prendre des forces, de l'énergie, des calories
et on va essayer de partir, de faire le sac, de ranger les tentes. On est en vigilance orange, des vents à 50 km/h avec pluie, neige, brume. On est en altitude, donc c'est vraiment pas le spot idéal pour camper. En fait, j'ai fait exprès justement pour tester la tente avec la surtente pour voir si on allait avoir chaud, si on allait tenir la nuit. Moi, j'ai eu chaud toute la nuit. Moi, j'étais au chaud toute la nuit. Bon, mademoiselle, elle a eu un peu plus froid. Je pense que c'est aussi parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais moi, j'ai eu super chaud, je suis bien là. Par contre, je crois que j'ai vraiment dormi au maximum 2 heures. Avec ce bruit fracassant là sur la tente, sur la surtente, c'est impossible de fermer les yeux. Par contre, la surtente nous a été super utile parce que tous les morceaux de glace, là, toute la neige, toute la pluie qui frappait sur la tente, et les morceaux de... En fait, il y a un arbre pas loin d'ici. On n'est pas juste en dessous, mais on est à quelques mètres. Et le vent, la tempête de vent, envoie toute la glace et la neige qu'il y a sur cet arbre sur notre tente. Donc forcément, il y a de la glace qui est tombée sur la tente de plein fouet. Ça s'est tombé vraiment dur. Et il y a même un morceau de glace qui a transpercé la fenêtre de la tente. Pour vous dire la dangerosité de la chose. Donc c'était quand même assez dangereux. On avait le risque de se prendre de la glace sur la gueule et que ça traverse la tente. Mais heureusement, il y a la surtente qui a protégé. Donc si jamais il y a des trous dans la surtente, au moins il n'y en a pas dans notre tente à nous. Donc on ne s'est pas pris de glace dans la gueule. Allez, on prend un petit déjeuner et ensuite on défait le bivouac. Comme vous pouvez voir, on a déjà sorti la Fresh and Black 3 de la grande tente. Donc il n'y a plus qu'à la plier. Et après, on met tout au sec dans la grande tente pendant qu'on plie la petite tente. Et vous voyez, ça a bien tenu. Hein, mine de rien. Par contre, je voudrais juste voir où est-ce que ça a frappé sec là. Donc là, vous voyez, regardez, il y a un petit morceau de glace qui a pété la tente. Et là, oh putain, le trou que ça a fait. Oh, ça, c'était pas les petits morceaux. Hein. Ça, c'était pas les petits morceaux. Eh, la vitre, elle est déglinguée. Hein. Et ça va, là, elles ont pas traversé la toile. Non, elles ont pas traversé la toile. Bon, les amis, comme vous pouvez le constater, on a vidé le camp. Nickel. On a rien laissé. On a réussi à remplir les deux sacs. On a changé de principe. Elle a pris tout ce qui est plaid, accessoires de couchage. Et moi, j'ai pris les deux tentes. J'ai pris les deux tentes. Bon, ça va faire un sac très lourd. Mais là, on n'a pas trop le choix parce que c'était trop galère à ranger de toute façon. Un campement comme ça, où il fait moche, où tu es dans des conditions de merde, c'est toujours plus compliqué de ranger que de sortir le bivouac. Donc là, on mange, prend de l'énergie et ensuite on y retourne. Une heure de route. Bon les amis, ça y est, on est retourné à la voiture,
après une bonne heure de marche. Enfin, mon sac était tellement lourd, ça me coupait la respiration. Mais bon, au final on y est arrivé, donc c'est essentiel. Donc, je vous ai montré cette technique de tente dans une grande tente avec le sas qui permet justement à garder sa tente bien au chaud. Donc ça c'est vraiment si vous partez par des temps très très froids et que vous êtes plusieurs, surtout ça c'est important que vous soyez plusieurs parce qu'à deux, porter ces deux tentes plus tout le matos de couchage, c'est super compliqué. À partir de 4 personnes, je pense que ça vaut le coup de le faire. Mais à 2 personnes, ça va être physique. Donc à vous de voir, est-ce que c'est une pratique que vous avez utilisée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous servira à rien? Peut-être au niveau du poids. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est aussi bien si vous restez longtemps sur place. Nous, on n'est resté qu'une nuit pour tester. Et si vous restez une semaine sur place, je peux vous dire que ça va vous faire vraiment du bien d'avoir ce système-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Nous on est KO, on n'a pas beaucoup dormi, on a beaucoup marché, on a fait des efforts de fou. Mais ça fait du bien quand même d'être dans la nature comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature le danger n'est jamais très loin. La preuve, on s'est pris des gros stacks sur la gueule, heureusement qu'on avait une bonne tente par-dessus. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.